Hello YouTube, partie 2, Superman 64, on va essayer de faire des choses. On va essayer de continuer tout ça en tout bien, tout honneur et en total chill, c'est pour ça que la webcam dégage pour le coup. Je voulais juste vérifier un truc. Bon, après, de ce que je vois, les textures n'ont pas été non plus ultra modifiées, donc au pire, voilà. Mais ça reste sympa à voir. Est-ce qu'ils ont... Ils ont pas changé ça. Ah! Ok, par contre, j'ai joué à Mario Sunshine vite fait avant de dormir hier soir. Donc du coup ça va être compliqué. Non mais d'accord. Voilà, c'est bien ça. C'est bien ça. Pour ma part, je serai juste là à écouter car je joue entre temps. Il n'y a pas de souci, mon cher Minz. Fais ce que tu as envie de faire, mets-toi bien. Ah, la maniabilité, j'avoue que j'ai pas l'habitude, bordel! J'ai vraiment Mario Sunshine dans les pattes là, donc c'est compliqué. Mais ça, c'est un temps d'adaptation, j'imagine. Enfin, c'est lequel déjà le monde là? Je l'ai pas fait encore. J'ai fait toutes les étoiles des différents mondes, sauf celui-là, je crois. Oh putain, non. Attends, c'est quoi? Ah oui! Tranquille! Effectivement, tu te mets bien, mon cher Brozone. J'avoue que j'ai hâte de tester Mario Galaxy. Ça, bien sûr, je le ferai pas forcément en stream, tout ça. Bah, je l'ai déjà fait. Et Mario Sunshine, j'ai fortement envie de le refaire. Après, c'est mon Mario, donc voilà. Je suis pas objectif là-dessus, ouf. Mais, comment. J'avoue que ça serait sympa. J'aimerais que Luigi is real, donc je le fais pour la première fois à 100%. Ah, normal. J'aurais peut-être dû commencer par ce hauteur, hein, c'est le plus chiant. Par celle en hauteur. Et du coup, est-ce qu'on peut choper... Je me rappelle pas l'avoir fait à 100%. Donc si je me rappelle pas, c'est que je l'ai pas fait. Est-ce qu'on peut choper du coup, genre, une étoile là en faisant tous les machins. Et où dans la pièce. Voilà. Attends, j'ai cru que j'avais pris les quêtes en yes. Ça va être compliqué, ça va être compliqué un peu aujourd'hui, mais... Ah, les effets de la caféine sur l'organisme... ça pique, hein. Oh putain. J'ai une perspective d'enculé là-dessus, c'est incroyable. Ouais, mais je confirme, hein, Minz, Crazy Fog Racer, il est pas si dégueu que ça, hein, mais bon. Cette musique, ah, tu veux faire. Je voulais glisser. La baie des pirates. Ah, c'est le... Oh, putain, ce niveau. Ah, ce niveau, il me rend fou. Heureusement que la musique, elle est géniale. Ah, je peux pas le faire à 100% de suite, celui-là. J'attends un peu. Sachant que je sais plus comment on débloque certains pouvoirs, donc ça va être drôle. Bon, ça dit quoi le panneau? Alors? Vous pouvez facilement vous accrocher aux arbres et aux poteaux. Une fois accroché, vous pouvez appuyer sur B pour sauter en arrière. Pour changer de position, inclinez le stick gauche vers la gauche ou la droite. Une fois au sommet, inclinez le stick gauche vers le haut pour faire le poirier. Donc ça, c'est mon avis, il y a une pièce rouge. Il y a un soleil, enfin il y a un soleil. En fait c'est la version Switch, ouais c'est la version 3D All Stars que je ne peux pas lister sur Twitch parce que bah... Parce qu'il a pas envie hein, de lister ce jeu là en catégorie donc je suis obligé de passer par la... Par Super Mario 64 pour le catégoriser sur la plateforme. Donc, déjà il faut pas qu'il y ait le bateau coulé. Si je me rappelle bien, faut que je m'approche d'elle. Le fameux niveau qu'on laisse de côté qu'on va pas faire les 100%. Tu m'étonnes. Ouais, je pars quoi déjà avec elle? Attends. Je sais pas que je vais un peu me noyer là. Oh non. Please.
Non. Bah, de toute façon, je sais pas si je le ferai à 100% en stream, mais je pense que je vais pas mal avancer. Hein. Déjà que je, en vrai, j'ai pas mal avancé, je crois. Mais ok. C'est quoi? Je vais faire les talks là. Moi, je suis sûr pour l'instant, et j'avoue que je sais pas si je vais y arriver là à comprendre comment et pourquoi. En fait, faut la faire bouger. De... C'est quoi? Le souvenir? Donc ça, c'est compliqué. Mais oui, là, c'est... je joue vraiment en me basant sur mes souvenirs. Donc. C'est un level de ses morts, ça. Ça va être génial. J'ai peut-être le next, ce level. Pour l'instant, j'ai pas eu notre herbe. Ah oui, c'est vrai que je pouvais faire ça. La aussi. Pardon? Y'a que moi qui me tape des bugs de ce genre ou je me suis vraiment TP là? Attendez, il s'est passé quoi là? Ouais, je me suis tapé un slash TP, ok. Pas de soucis. J'ai pas compris. Hein? Ça arrive y a... Ah bah ouais, c'est... Ouais, ok. Alors c'est pas que c'est déroutant, mais un peu. Par contre, l'anguille, je sais vraiment pas comment la dégager, ça m'énerve. J'imagine qu'il y a un truc logique. Par contre, toi, quand t'avais pas une étoile au cul à un moment... Hop. Ok. J'avais pas vu. Je sais pas comment ni pourquoi, mais. Alors par contre, ouais, il me faut de l'air, les mecs. Allez, il y en a là-bas. Mario, tu peux le faire. Ah, ils sont pas trop plus. Pas gentil. Ah, mais ce slash TP, il m'a perturbé en vrai. Faut vraiment que je me colle en bas pour un... Ouais. Ça doit pas pu se passer autrement de toute façon. Merci pour la bulle. On va dire. Voilà. Prends la bulle. Toujours prendre son temps. Même dans les niveaux aquatiques, les pires levels pour moi de tous les jeux vidéo qui existent dans ce bas monde. Mais c'est toujours mieux que de se dire tiens, je vais rusher. YOLO, on verra si ça se passe bien. On va essayer pour gagner un maximum de temps aussi. Oh non. Je vais en perdre beaucoup de choses. Voilà. Moi qui étais défaitiste, il fallait pas. Je pense qu'après cette petite session de Mario 64, on passera sur Sunshine un petit peu. Donc YouTube vous aura la rediff dans les prochains temps. Ça va pas être des rediffs de 3 heures. Tu te révèles une technique secrète, vas-y.
Tu peux, j'ai rien mis, j'ai pas mis de balise quoi que ce soit pour ça, donc tu peux. L'anguille veut faire joujou. Celle qui sort sûrement du machin. Donc tu peux largement. Ah oui, j'aurai les canons. Alors avec le matin pour longtemps. Salut les amis, je te prépare dans les canons. Yo Enizo, comment vas-tu? Ça va bien? Ah désolé, hein, pas de Rayman Legends aujourd'hui, mais on s'attaque à du lourd. Rayman Legends, c'est pour bientôt. Oh ok, d'accord. Vous voyez, ça fait faire un plus gros saut au passage. Donc c'est parfait. Ça fait un plus grand saut et... Et ça permet du coup de passer bien tranquillement certains. Ok. Oublie. C'était du pif. Non, si tu restes au sol avec la touche enfoncée. Ouais, oui, j'avais bien vu. J'avais bien vu. L'anguille veut faire un joujou. Je vais au moins la faire celle-là. Oh. Vous allez bien? Ça va bien et toi? Comment vas-tu, toi? On va dire là-bas. Parfait, c'était à peu près là que je visais, donc je suis content. L'anguille veut faire joujou, donc. Yo. Et j'imagine que c'est là. On monte juste pour récupérer un peu de vie. Ça d'ailleurs c'est pété je trouve. Que ce soit la même barre et que ce soit pas deux barres différentes, hein, je précise. Bon alors. Bah, je suis remonté ma grande. Ça me fait mal en fait. Parfait, putain, je vais mourir noyé. Bah GG à toi. Ah bordel. GG à toi. Je sais pas comment t'as fait mais GG à toi. Sincèrement. Oula. Mamma mia. Tiens, maintenant Rayman. Mario il fait du ténor quoi. T'as été patient, courageux. Tu mérites limite la médaille d'honneur pour tout ça. Bien joué à toi, soldat. T'as quand même un même tarif, hein, là, ça. Une fois qu'elle a dégagé, je remonte pour reprendre un peu de vie. Que si je la poursuis alors qu'elle peut peut-être me one shot, ça va être compliqué. Peut-être voir son pattern d'ailleurs, ce serait con. Serait con comme ça, mais. Et où? Elle est là. Yes. Coucou Mario Dublade, ça va bien et toi? J'ai galéré mais j'ai réussi. Bah je te donne un gros GG.
Je l'ai pas vue, elle est sur le bateau ou elle est passée là-bas? Là, j'ai zioté le chat en même temps, donc. Je vais passer par là-bas dans le doute. Bonjour l'accueil. Je sais pas. Je sais pas, Mario Dublet, j'ai la même chose, j'ai pas compris. En fait, tu peux la sélectionner sur Twitch, mais aucune idée de pourquoi. Aucune idée de pourquoi elle est pas sélectionnable. Bon, du coup, j'imagine que c'est en haut. Ah putain, bah non, elle est là. Donc, je suis pas remonté. C'est l'abruti. Donc, non, j'en ai aucune idée. Du coup, moi, je la fais simple, j'ai mis sur Super Mario 64 et yolo. Dans la caverne, c'est là où il y a les piliers, ça va être très drôle, parce que je vais mourir bêtement. D'ailleurs, je suis surpris de pas avoir pris de game over là pour l'instant. C'est par là-bas. Peut-être toucher le mur, non c'est pas. Oh putain! Bah yes! Pratique tout ça! On va passer par là du coup. Non, c'est pas par là. L'anguille, dégage! Je sais pas, c'est des bits parce qu'il y a Super Mario All Stars hein, de ce que j'ai vu. Donc bon. Allez. Oh. En fait, c'est la caméra qui me perturbe le plus sur ce Mario. Que elle, pour moi, elle est atroce. Hein. Attention, hein. C'est pour moi, j'y viens. Je dis pas qu'elle est atroce parce que je suis un spécialiste du jeu vidéo. Non, c'est l'inverse. C'est juste que je pue fortement la merde. Y a pas un code à faire précisément. Bon, il nous prend un coup de jeu à chaque fois que j'essaie. Sous que faire, Matelot? J'ai caché un trésor par ici, mouchaillon. Mais pour le découvrir, vous devrez ouvrir les coffres dans l'ordre. Et avras-tu, petit? Moi, le 63, je l'ai fini 10 fois. 63, 64, tu veux dire. À moins que j'ai pas la ref, mais... 64, moi, je veux dire. 1, 2... Ah, je voulais me baisser, sauter et choper l'étoile en haut. Voilà. Triste. Non, le 63 existe aussi. C'est pour ça que j'avais le doute, en fait. J'avais le doute. Ça me disait quelque chose, mais vu que je suis un peu... Je dirais pas non plus défoncé, mais je suis très fatigué, en fait. C'est pas le terme. Faut que j'évite d'utiliser le terme défoncé, ça pourrait être perçu bizarrement, en fait. C'est assez compliqué pour moi de bien réfléchir. Bon, je connais par cœur, j'ai les gros doigts. Ah bah j'imagine. J'imagine qu'à force de la... Enfin, après l'avoir fait 10 fois, tu dois le connaître par cœur. Voilà, pour le coup, c'est ma deuxième fois. En cherchant à le finir, du moins. Juste avant. Moi, c'est ma toute première fois. En stream, du moins. Et je pense que je vais peut-être le finir à 100% de mon côté. Pas en stream, parce que moi, ça m'intéresse pas des masses de tryhard là-dessus. Surtout en speedrun ces étoiles. GG à toi. Du propre tout ça. Je vais voir pour faire les pièges jaunes au passage. Alors je sais que Brozen est sûrement en train de se mordre les doigts parce que vu que c'est les pièges rouges, il doit savoir avec exactitude où est-ce qu'elles sont. Sachant que je sais qu'il y en a dans les palourdes là-bas. Mais je vais en profiter, je vais faire les pièges jaunes plus rouges. Ah oh. Oui, j'imagine les plus possibles à faire vu qu'ils ont changé des choses. Mais il y a un autre glitch qui est possible de ce que j'ai vu. Donc peut-être que... Il y a un truc à faire avec ça, tu vois. J'ai fini en 3h05. Bah, GG à toi, GG à toi.
GG à toi, GG à toi. Ah mais j'ai coupé l'écran de gameplay moi, oh le bâtard. Oh le salaud. Oh le salaud. Ou non. Ok, alors. On peut zooter que c'était pas voulu. De bien me positionner, je prends mon temps. Vous imaginez même pas à quel point là je suis crispé à prendre mon temps comme un abruti. Mais je sais pas si j'essaie de battre mon tronc ou si je continue Sunshine. En vrai, toujours et toujours essayer de faire de son mieux, hein. Mais aussi de temps en temps prendre le temps de. Bah, de prendre le temps. Eh oui, bonjour, je suis Captain Obvious. Bordel. Non, mais c'est pas vrai. Ah, la caméra, elle me saoule. Oh, ça, c'était con. Ah, ça va. Faut pas que je m'énerve, c'est con, c'est con, c'est con, je me suis énervé pour rien. Mais la caméra, Ah. Dans un jeu, si la caméra, elle est pas soignée, pour moi, c'est un truc qui va me rendre fou très rapidement. Bon, du coup, j'en ai 4, il m'en faut 4. Au bout de 15 fois, j'ai réussi. Ah, mais Sunshine et ses niveaux avec le jet, j'avoue. Je ferai après Sunshine, j'avoue que je le referai après. Je vais le faire après, là on va faire une petite session d'une heure sur 64, histoire de se mettre bien. Il nous reste presque ouais, 40 minutes à tout casser. J'ai fait 3 game over dessus. Ah, moi je vais faire le kéké, hein. je vais vous montrer mon skill dessus. Inexistant hein, au passage, mais. Sans jet, c'est les pires niveaux. Eh bah, tu vas rire, moi, c'est mes niveaux préférés. Je les ai haïs pendant un long moment. Et quand je l'ai fait l'année dernière en stream, sur la GameCube directement, bizarrement, j'ai apprécié. J'ai apprécié, voire même les niveaux avec jet. Après, j'étais un peu en mode merde. Mario Sunshine est un très bon jeu, hein, mais c'est juste qu'il faut le roder, quoi. Et ça, c'est le plus. Allez, voilà les dernières. Ah putain, bah, j'étais sûr. Je me suis dit, c'est bon, je vais pas avoir besoin d'activer l'interrupteur, ouais. Okay. Ah, mais après. Après, quand t'as. C'est quoi à dire, mais il y en a beaucoup qui se plaignent de Sunshine parce qu'ils ont joué à 64 avant. Moi, j'ai connu 64 après Sunshine, donc disons que j'ai plus de chances d'apprécier Sunshine, même. Si sa difficulté est putassière, ça par contre, faut pas trop le nier, tu vois. Mais ça n'empêche que pour moi, ça reste quand même un indémodable Mario 3D qui, en plus de ça, a une bonne difficulté à mes yeux. Bon, par contre, il me reste pas beaucoup de pièces et je sais pas où est-ce que je dois les choper les autres. Et faut pas que je prenne l'étoile parce que sinon, j'aurai les boules. Hein. J'imagine que là il y a toujours le passage du coup. Ouais. Non mais je suis mauvais à ce point. Vraiment mauvais à ce point, vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai celui qu'il y a dedans. Oh t'inquiète hein. En fait, vu la GameCube et son petit bide. Attends, on peut pas rentrer. Ou je m'y prends juste mal. Pas entrer de ce que je comprends parce que l'air compliqué. Bon, il m'en reste 7 des pièces. Où est-ce que j'aurais pu les oublier? Je pense pas en fait que je puisse les avoir avec ce level. Réfléchis, mais je pense pas. Putain, j'avais pas vu. Oula, non.
Je pense pas que je pourrais l'avoir avec ce level. C'est pas grave, ça je ferai. Ah, vite, vite, remonte. Remonte, oui, pas de soucis. Je remonte bien, Mario. C'est pas grave. Je vais passer sur le level après. Non, il t'en reste une chance, je pense. Ouais, je vois pas. Là, je visualise pas laquelle. Je vais aller au début. Peut-être que j'ai oublié un truc au début, ce qui est pas impossible. Sur GameCube, j'ai beaucoup joué à Double Dash et Striker Football. Ah putain, par contre, Double Dash. Oh, mon Mario Kart de cœur. Même si Mario Kart, oui, je l'ai poncé jusqu'à la moelle. Dans ma prime jeunesse. Ah, si, peut-être là, ouais. Ouais, pour... je l'ai poncé dans ma prime jeunesse. À un point que, je l'avais tellement poncé que, j'avais... Quand il y a eu Mario Kart 8, j'étais déboussolé. Hein. Comme ça, je récupère ça au passage. J'ai oublié un truc. Parce que ça me paraît bizarre qu'on puisse atteindre 96, mais pas plus. Mario Striker Football, par exemple, lui, c'est vraiment par dépit indirectement que j'y ai joué. Parce que j'étais tombé dessus dans une brocante. Et c'est un ami à moi, Quentin, qui m'avait dépanné 2-3 sous là-dessus pour... Je m'étonne que ça soit un des jeux les plus speedrunnés. Il y a des glitches assez sympathiques que tu trouves par mégarde, quoi. Donc j'imagine les glitches que tu maîtrises, ça doit être bien drôle à utiliser. Ok, oui. Sachant qu'en plus, avec le render distance qui est un peu moisi de la N64, même si ça reste un remastered. Non, c'est même pas un remastered, hein, c'est juste un portage sans ajout particulier. Je vais me noyer. Faut que j'aille là-bas. SVP, merci. Du coup, c'est compliqué. C'est compliqué pour voir s'il y a des pièces au loin, tout ça. Ah, là, dans la vie, il y a des choses compliquées, hein. Je pense qu'avec ça, ça aurait été utile. Attends. Ça donne pas des pièces, ça? Au cas où. Ça donne pas des pièces. Je vérifie la moindre chose, on sait jamais. Enfin, 4 pièces, quoi. Je pense que j'ai tout exploré en plus, sauf le trou là. Mais ça va quoi, les blocs verts? Je crois que c'est pour Metal Mario. Ça permet d'aller dans les profondeurs avec facilité. Bah, go, Brozen, joue à Star Road. Hein. C'est con, mais... D'accord, merci. Y'a pas de soucis, Toujours là pour t'aider. Bah non, je pense que c'est mort. Hein. J'arriverai pas à choper les 100 pièces ici, là. Peut-être pas le bon level. Peut-être choisir un des pierres là-dessus. C'est impossible. Par contre, j'avoue que Odyssée... Il y a 110 pièces dans ce niveau. Bah ça... Bah là pour l'instant j'en ai pas 110 hein, mais je pense que ça dépend d'un level à un autre. Par exemple je peux pas accéder au bateau, donc à la cale de tout à l'heure. Donc ça me pose problème parce que hop, voilà. Là j'ai la confirmation, je peux pas y accéder. J'ai fait tout l'endroit, je les trouve pas. Donc c'est mort. On va pas rester là 30 ans, ça sert à rien. Non tu peux avoir les pièces, je voulais les avoir où? C'est con mais moi j'ai pas vu.
Je sais pas, Minz, en vrai. J'avoue que... On verra plus tard. Dans le geyser. Ah bah tiens. Faut mettre un Mario. Donc c'est... Impossible. D'ailleurs, attends. Ah, je peux pas changer ici. Donc au moins, ça c'est fait. Endroit, c'est tranquille. Ah... Manoir debout ou Bowser? Sachant que j'ai pas été au-dessus. Je vais aller au-dessus, je vais aller dans la chambre de Peach. Et j'y suis pas encore allé. On va aller dans sa chambre. Grâce à la puissance des étoiles, la porte s'ouvre doucement. Attends. Ah, c'est pas le bon côté. Bien sûr c'est devant, mais je suis un abruti. Y'a pas une histoire où qu'on peut en choper deux ici? Je voulais tenter de choper le champion. Ouais. Ah putain. Viens là toi. Il est où? Il y avait des pièces vers le pilier. Que j'y suis allé, il y avait aucune pièce en fait. À part non, il y avait aucune pièce. Il y avait aucune pièce. Après, c'est peut-être le level en question qui ne fait pas spawn les pièces. Je sais que sur Sunshine il y a ce côté-là, donc ça me surprendrait pas qu'il soit là sur cet opus. Vous savez quoi? Je vais aller directement faire ça, histoire de changer l'atmosphère et après on va s'attaquer au manoir bout. Non, ça fonctionne pas par level. Bah pourtant, je te jure, elles y étaient pas. Parce que j'ai bien vérifié justement, parce que je me suis posé la question s'il y en avait. Tu es tombé dans mon piège, petit Mario. Mais voici un conseil d'ami. Prends garde à ne pas tomber. Ouais. No suicide. Bah tu sais quoi? C'est sûr, j'ai raté, j'ai glissé, chef. Trop d'énergie d'un coup. Putain, mais j'arrive pas à faire le comment. Ah, ça. En fait, je panique tellement que je le fais trop tôt, peut-être, pour ça. Ah, faut pas paniquer. Au pire, je tourne. Je m'emmerde pas. Je m'emmerde pas à faire un mouvement inutile alors que je peux aller plus vite. C'est bon. Le château est connecté à une autre dimension, elle t'attend quoi? Nani. Oh putain, faut pas regarder le chat, je suis un connard. La caméra, tout. Non, ça serait pas drôle. Toujours la faute de la caméra ou de la manette. Je sais pas ce que ça fait comme différence. Avec R. Ah. Oh. Non, ça c'est les fans, Minz. C'est les fans qui racontent des délires chelous. Alors que c'est pas acté, tu vois. Non,
À part la blague de... Enfin, la blague. Entre parenthèses. De quand Mini Bowser. De Bowser Junior, pardon, pas de Mini Bowser. Ah, le Goomba, il s'est suicidé, quoi, au secours. Sinon... Y'a rien de spécial. Mais bon, je suis pas un expert dans la reproduction des tortues, mais je suis quasiment sûr que... Alors, soit ça rentre pas... Soit ça rentre pas, soit c'est compliqué, en fait. Je vais pas faire... Je vais pas m'emmerder. Je vais faire le level simple. Je vais pas m'emmerder à essayer de faire toutes les pièces ou quoi que ce soit. Je m'emmerde plus que nécessaire, là, en fait. À l'heure actuelle, c'est bon, mais... Bah non, je suis quasiment sûr qu'elle peut pas. Je m'y connais pas assez dans le domaine, mais même si c'est humanoïde, je suis quasiment sûr que ça fonctionne pas de la même manière. Par contre, c'est plus rapide que la version que j'ai jouée, ça. Ah, je fasse ça. Je me fais stresser tout seul. Ça veut pas quand je veux. Hein. Ah, je me fais paniquer bêtement. C'était sûr. Je la sentais. Je l'ai vu arriver au moment que j'appuie sur le bouton. C'était sûr. Pas grave, c'est pas grave. Et j'essaye. Ça marche pas, c'est pas grave. Mais en fait, je crois que je suis habitué à que la caméra soit inversée parce que je pars vraiment sur la droite quand je vais à la gauche. Quand je veux qu'elle aille à gauche, et pareil à l'inverse. C'est perturbant en fait. Ils veulent garder leur secret que dans Mario Odyssey, vous leur voulez révéler au monde léger. Pas d'accord. Ouais. Bon, après, elle l'a kidnappé, hein, et kidnapper la sœur d'un être sentient. Bon, hein, je vais pas dire, mais. Même si Bowser a toutes les raisons du monde d'avoir fait ça, tu vois, mais. Il kidnappe pas des gens. C'est pas gentil. C'est-à-dire que tu aimes une personne ou non, tu kidnappes pas des gens. Ça se fait pas, c'est pas gentil. Ils ont rien demandé les autres. Dommage pour toi Mario. La petite Peach n'est pas là. Mais si tu as un gros bisou... attendez. Vous avez... Faut que je la retrouve. Je suis désolé. Mais en fait, quand il a parlé de bisous, j'ai pas eu... J'ai bloqué intérieurement à cause d'un extrait de clip, si je le retrouve. Ok, on y va ? Alors, bisous. Ouais. Voilà. Le bisou de Dail Caro, voilà. Tu aurais bisou de Mario, il veut qu'il attrape sa queue. Ah bah, en fait, c'est pour ça. Hein. Tu es trop faible pour me faire tourner autour de ta tête. Tu n'arriveras jamais à me faire décoller d'ici. À table. Bye bye. Oh, il dit plus la même chose qu'avant, c'est dommage. C'est ça que tout le monde se payait sur Twitter. D'où ? Non, tu m'as surpris. Je t'ai sous-estimé. Petit mais costaud, hein. Mais Peach est toujours ma prisonnière. Ne t'inquiète pas, on s'en reverra. Et la prochaine fois, je te mangerai les doigts. Allez, à bientôt.
peux pas être sérieux, c'est pas beau. Bowser, il fait du slam là au secours. La prochaine fois qu'on se verra, je te boufferai les doigts. Et tu sais quoi? Tu le verras pas. Ah au secours, quoi. Je vais pas lire le chat, hein. Je sens que Twitch va faire « Ah tiens, c'est bizarre, ça parle un peu trop de Tail. » Voilà, je vais le dire en anglais. Grand Corbosaur. Grand Corbosaur. Ah, le bâtard. Ah, pour le coup, ouais. Ah, là, c'est Grand Corps malade, mais il a pris tarif, quoi. Bon, allez. Et je rigole, je suis content. Ok. Plus bouger. Allez, on boit un peu d'eau, parce que bon, faire la voix de Bowser, ça pique. Bowser qui nous écrit, la princesse se trouve dans un autre château. Ouais, faut croire. Cherchez le Big Boo. Bah, il est en haut. Viens, entre donc, mon piquet. Viens dîner. Yay. La joie, le bonheur. Alors, je sais plus ce que je dois faire. Ah, ah, ah. Mais c'est pas vrai. Pas plus vite. Putain, merde pour. Eh, je sais plus ce qu'il faut faire, moi. Du coup, je fais des choses, hein. Bon stream. Bah, merci à toi de passer, Bronzon. Et bah des béco à la prochaine. Je me fais vite par des bouquins, putain. C'est quoi? C'est pas... En plus, j'aurais pu passer. Je suis un abruti. Et il était à côté de là où je suis apparu. De toute façon, d'ici 20 minutes, on va peut-être même pas tarder. On va faire peut-être 2 levels encore. On va passer à autre chose. Un peu de sunshine. J'ai envie de faire du sunshine, donc on va faire du sunshine, hein, désolé là-dessus. Je suis un gosse, hein, moi j'y vais vraiment aux feelings. Aux feelings, n'est-ce pas? Ah bon, on fait comment pour aller le voir lui? Je crois que tu fais quoi? What? Faut pas déglinguer tous les fantômes, je crois. Bon, toi, je peux pas te déglinguer, t'as un piano qui bouge. Il a fait le cauchemar de pas mal de gosses. Ah, oh. Allez, je me prends le mobilier, ok, je me casse. Oh putain. Eh, hey, flex, hein, le Mario. Sont immortels. Pourras-tu y sortir d'ici vivant? Mario Breakdance. Whoop, whoop. Alors? Bon, attends, quoi? Bah, tu veux? Alors? Je vais pas la refaire, hein. Alors, je t'ai tapé dans l'œil. Woup, woup, what a son of a Mario! Woup! Ouais! The bonheur! Putain, mais je suis mou du zboob là, c'est incroyable.
J'ai la moulaga. Oh non, il s'est bloqué. Oh non. Oh putain, j'étais obligé de descendre pour le tuer, quoi. Ça va respawn. Par contre, il y a pas mal de Zelda que j'ai envie de me faire en stream. Hein. J'ai envie de retourner sur un petit Ocarina of Time à l'occasion ou un Twilight Princess. Hein. Ça, c'est incroyable. Hein. Sachant que Twilight Princess, j'ai fait une partie et je l'ai fini 4 mois ou 5 mois après l'avoir acheté. Parce que j'ai pris mon temps, il y a eu la Switch, tout ça en plus entre temps. Donc, en vrai, ça me chauffe. Hein. Ça vous chauffera un Zelda, vous? Merde. Bon, bien sûr, hein, y a d'autres jeux que j'ai à faire avant. Mais sur quelle plateforme? Je sais pas, justement. J'ai Twilight Princess HD, j'ai Wind Waker HD. Wind Waker HD? J'ai déjà fait en stream. Même que la Wii U, c'est tellement de la merde que. que. J'aurais dû uploader normalement The Wind Waker sur YouTube. Donc désolé, YouTube, sur ça. À un moment, ça a été la zermie parce que bah. La Wii U plante à un endroit précis. Si on met trop de temps à lire le texte. C'est même pas une blague. C'est chiant du coup. Du coup, bah. On va aller faire un montage à la con. J'ai fait un montage à la con qui me plaît pas forcément des masses. Les big boys ont fait personne trembler humain. Du coup, c'est. C'est perturbant. Tiens, tu te prends pour un twamp? Tiens! Coup de pied dans ta gueule! Hein? Oh, high kick! Ah, je suis le spécialiste d'high kick. Let's go! Ah, il y a les boucs qui vont me faire le derrière là derrière. Ouais, peut-être pas la princesse HD, je le ferai peut-être après. Ça peut être sympa. Manège des bouts pas beaux. Oh, ils sont pas beaux. Tamelik du Sud. Pardon. Je me rappelle plus ce qu'il dit exactement, Johnny Crying là-dessus. Waouh. As-tu vu? Je sais pas. Putain. Je l'ai en tête là maintenant, c'est mort. Y'a pas un putain de bout qui était en train de. De. Ouais. Non, en fait, j'allais dire de bout qui était en mode. Je crois que c'est la version 3DS. 3DS. DS. Ok, ça. Hep, hep, hop, hop. Oh non, je sais quel jeu je ferai. Si je dois faire un Zelda en let's play. Je sens que je vais en péter des câbles, mais ça pourrait être drôle. Je garde la surprise du coup pour ça. Oh, en vrai, j'enchaîne plutôt rapidement là. Je pense, hein. Mario, c'est le Dilos du coin et tous les bouts sont en chien pour piquer sa conce. Putain. Au secours. Au secours. Au secours. Oh, pardon. Ah, ça, il y a des jours. Le bâillement est facile. Trouver les 8 pièces, je trouve. Oh, Darei, il joue avec Xenoblade. On va pas faire ça. On se garde ça pour la prochaine fois. C'est YouTube.